Donc techniquement j'ai bien fait de faire les monstres légendaires tout à l'heure, hein. Ça c'était... Là, commence tous sans rappeler de ce que j'ai fait. Il m'en manque qu'un seul. Et c'est... T'as plus de sur 10, donc il y a encore quelque chose après. Bah non, ça j'y viens. Je l'ai fait tout à l'heure. Celui-là qui est dans une crypte. Vous recevez phosphore terni. Ça peut m'aider avec ça aussi. Alors, est-ce que j'ai phosphore terni? Et en plus, ils ont cache certains. Oui. Phosphore au regard maléfique. Ouais, parce que je viens de le faire. Et du coup, bien. Méduse, je viens de le faire. J'ai plus aucun lieutenant. J'ai fait tous les lieutenants, normalement. L'automate légendaire. Phosphore lustré. Bon. Tac. Phosphore d'amour enflammé. Et phosphore carnivore. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Non? Oh. Il est là. Ok. J'ai un petit doute sur celui-ci. Ah oui, si. On l'entend gueuler de loin, celui-là. Phosphore automate. Oh. Non, il n'y a pas plus. Ok, j'ai trouvé. Du coup, c'est le phosphore automate, donc il faut que j'aille... La dernière île, évidemment. Oui, du coup, les ailes que j'ai lootées. La dernière île est tout à droite. J'en ai loupé un ici. Mais là, c'est pas étonnant. Il est là. Enfin, je vais même pas regarder ce que c'était comme bestiole. Mais bon. Voilà. Vu la taille. Ça me paraît logique. La différence entre les boss de la première île, enfin région, il y a quand même beaucoup plus de PV. Hein.
Même ce sera pas si difficile de le faire. Et le 10e c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a en plus des monstres légendaires et des lieutenants? Acquisition du coup, phosphore automate. Il fait quoi du coup? Clone de phosphore est un objet lourd. Ça veut dire que je peux le porter et poser un endroit pour déclencher un... Bon. Hop. Et du coup activer la dernière partie. Pourquoi est-ce qu'ils vont pondre un boss final? Des quêtes. Ah non, 9 sur 10. Collecter tous les fragments mythiques en triomphant de boss monstres mystiques. À chaque fois, il m'en manque un d'ailleurs. Monstre mythique. Il n'y a que 4. Ah ok. Ok non non ils sont dans la liste aussi. Une liste complète. Ok, le cyclope c'est fait, je vais m'arrêter là. Légendaire, légendaire. Lieutenant. Lieutenant, lieutenant. Toi. T'es où toi? Pas sûr. Ah si. Ouais mais ouais. Épée de maître des mythes. Ah, j'ai eu un succès. Vigueur du coup, enfin troisième skin. Les deux carons. On va avoir des... Allez. Bon, on va aller chercher celui-là. Je sais plus c'est quelle page que j'ai ouvert, voilà. Et donc tu es perché où toi? T'es dans la... Comment t'arrêtes ça? Visiblement il y en a un qui est ici. Oh mais je l'ai fait avec la quête, non? On se met du bâtiment de la partie sud... Au sommet du bâtiment dans la partie sud du fort. On va voir si y a quelque chose.
Ah, je peux pas directement. Okay. Ils ont mis le TP au milieu, mais ce n'est pas le cas réellement. Oh mais zut, il doit pas ouvrir la porte quand même, j'arrive. Poursuivre. Non, je suis pas encore arrivé. Non, c'est pas ce que je cherche. Alors, le décor commence à clignoter, ça c'est pas bon signe. Marqué au sommet du bâtiment, bah si. Il est possible que j'ai pas eu l'idée de monter dessus. Sauf s'il n'y a pas de coffre en haut. Pourquoi je reçois de l'expérience? J'entends gueuler, hurler un bruit de monstre quoi. Donc il est possible qu'il soit là. Ça continue à hurler, c'est ça. Okay. Déjà 2 heures de jeu. J'ai l'impression que quelque chose m'attend un peu plus loin. Parce que j'ai lu un tuto. Déjà 2 heures de jeu, je disais, et du coup. Pourquoi commencer le DLC ? Si, Phoenix avait découvert l'abomination suprême que Typhon pouvait infliger à l'île d'or, Kotos, les Katushi. Mythique. Ok. Sac à PV quoi. Je
Ah, il a pas été bon. Je pense que j'avais perdu mon compteur. Deux coups. Kotos et Katonchi, mythique, vaincu. Typhon avait sorti cet Hécatonchir du Tartare, alors qu'il avait combattu à tes côtés, Zeus, lors de la guerre contre les Titans. Oh, j'avais oublié. Mince, le pied sur celui. Oh, désolé, Kotos. Ok, du coup. Débloquer ça. Est-ce qu'il y a une suite du coup? Ça c'est 9 sur 10. Est-ce qu'il y a une 4-10-10? Est-ce que ce sont des étapes ou. Bon. Ok. Terminé. Armure d'argent sacré. Casque d'argent sacré, évidemment. Des pièces de caron supplémentaires. Ok, est-ce que j'ai des choses à dépenser? Je crois que ça, j'en ai pas eu. Il y en a voir autrement. Faire le stock, mais ça j'avais amélioré. Ouais. Ça c'est à fond. Ouais, mais maintenant que c'est à fond, je peux peut-être améliorer. Voilà. Pour les dégâts. Hein. Augmente les effets. Attends. Les effets d'avantage d'armes à l'aide d'éclats. D'effets d'avantage. Bon, précis ça. Ok. Bon, allez, c'est parti. Pour quand la route devient chaotique. Que j'ai un TP plus proche. Oui, j'avais vu que en partant de là, je peux y aller en direct. Au cours de son voyage, Phénix trouva un mur écroulé, victime de la rage de Typhon. Elle remarqua quelque chose dans les décombres. Bouh ! Ah ! Ça
marche à chaque fois. Salut à toi, mon héroïne. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Si t'espères recommencer à me voler mes affaires... J'ai dit que je regrettais. Et tes affaires, tu parles? Tu as presque tout ramassé sur ta route. Ah, ce lieu était l'un des plus animés de l'île. Tu n'imagines pas les fêtes qu'on donnait ici. Ah, tous ces souvenirs heureux réduits en poussière et en cendres par Typhon. À propos de ce monstre, puisque j'ai généreusement accepté de t'aider dans tes aventures... Ah oui. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas compris grand-chose à ce qu'a dit l'oracle. Une enfant persuadée? Le retour d'un héros? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? C'est vrai qu'il aurait pu se montrer plus précis. Nous sommes bien d'accord. Alors nous allons consulter Apollon. C'est le dieu de la divination, il doit connaître notre destin. Enfin, en avoir au moins une petite idée. Parfait. Mais on ne vole rien pour lui apporter en offrande. On ne risque pas de voler quoi que ce soit. En fait, Apollon ne vient plus sur cette île. L'avantage, comme il n'était pas là, il a échappé à Typhon. L'inconvénient, il est toujours absent. Dans ce cas... Il existe un moyen. Nous avons besoin de toi, de moi, de quelques monstres et de trois pierres. C'est plutôt amusant, non? Si tu le dis. Bien. Retrouve-moi au grand arbre de la vallée de l'éternel printemps quand tu les auras toutes. Attends, quoi? Tu veux que je retrouve tes affaires à ta place? Et je parle toute seule. C'est ça que font les jeunes aujourd'hui? Des pierres magiques? Il y a de la magie jusque dans les plus petites choses, même dans les pierres. Oh. Alors, on va se balader. Non, oui, je dois mettre un point. Faut que je parte du bon côté. Mais bon, j'ai mis deux points. Le précédent... Récupérer les pierres magiques d'Apollon. Mmh. Zone de quête, ouais. Ça n'a rien à voir. Je viens de faire. Je sais même pas ce que ça à quoi ça ressemble, ce que je cherche. Ah, faut juste taper un mob. Faut que je cherche longtemps. Ok, faut taper. Bon bah, je sais faire. Par contre, je peux enlever du coup les...
Hop, voilà. C'est le même principe. Non, je peux pas. Pourquoi? C'est comme l'ouverture des coffres, il faut attendre 2 secondes. Un monstre bleu élite à trouver à chaque fois. Ouais, je le vois. En bas. Okay. Pas de grande hauteur ici. Écoute là. Non, c'était pas ce truc là. Et en voilà 3. Et okay. Bah, Phoenix est compté, c'est déjà ça. Et la magie, elle est où? Phoenix savait, naturellement, que seul Apollon saurait manier ses pierres. Pierre magique, on a dit. Mais s'il est pas là? Je pense pas que... Je peux l'appeler par téléphone, hein. Un téléphone mythique. Ok, faut que je remonte sur l'arbre.